Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette quatrième partie du tombeau des anciens rois. Bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Plein de petits trucs avant de commencer. Il va falloir, après avoir fouillé intégralement cette pièce, que je rejoigne le couloir où il y a une fosse. Je n'ai pas d'autre choix que de passer par cette pièce. Peut-être dans la grande pièce ici. Il me manquerait peut-être un passage secret avec de la chance, on pourrait passer par là, ce serait peut-être plus sécurite. En tout cas, si ce n'est pas le cas, nous allons devoir passer par le couloir. Voilà. Très bien. Pour commencer, ce que je n'avais pas fait, je vais le faire. Je vais essayer de récupérer le sortilège feu du courroux que le magicien avait utilisé sur le fantôme. Allez, c'est parti donc, et c'est un crâne, donc le feu du courroux n'est pas récupéré par le magicien. Malheureusement, voilà, le feu du courroux est défaussé, ça c'est terminé. Alors, nous sommes tous dans cette pièce, le guerrier avait joué, je crois que c'est aux nains et aux voleurs de jouer, et ensuite ce sera la piste d'événements. Il ne reste plus qu'un événement sur la piste. Alors d'aventure en rectification, je rajouterai peut-être un ou deux parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu court. Ensuite, pour vous expliquer, je donnerai l'épée à deux mains du guerrier au magicien qui va la mettre dans sa sacoche et qui va la conserver jusqu'à temps qu'il pourra l'enchanter de manière à... Je ne sais pas à quoi ça pourrait nous servir d'aventure, mais ce serait important. Ça nous éviterait une manœuvre supplémentaire si on devait en avoir besoin. Ensuite, on va s'échanger quelques petites choses. J'ai prévu de faire un subterfuge également pour le voleur. Mais dans l'immédiat, on va chercher un trésor avec le nain. C'est parti donc. Et l'on trouve une pierre précieuse ou un gros butin. Alors, quelle est la différence? La différence, elle est de 450 pièces d'or, d'accord. Donc je vais préférer prendre le gros butin. Voilà. Alors, le gros butin, un coffre bien dissimulé, ne vous a pas échappé. En l'ouvrant, vos yeux s'émerveillent. Vous venez de mettre la main sur une véritable fortune, bijoux et objets rares. Prenez 500 pièces d'or. Ok. Grimgar a pris 500 pièces d'or. Donc lui, il montre à 590 pièces d'or. Ok, ça c'est fait. Maintenant, nous venions, rappelez-vous, de passer un événement. Le fantôme était apparu, donc j'ai le droit de redistribuer un point d'esprit à l'un de mes petits camarades. Et je vais choisir le guerrier, qui de 1 remonte à 2. Et bon, le nain lui reste à 1, il va pas falloir jouer trop avec lui. Le voleur est à 2 et le magicien, lui, il est à 2 également. Alors, on va enlever ce petit jeton. On va enlever ce petit jeton. Et puis, le nain n'a même pas bougé. Le nain n'a même pas bougé. On va essayer de sécuriser la pièce. Ouais, on va sécuriser la pièce avec le voleur. C'est parti. Et c'est sécurisé. Ça y est, c'est formidable. Donc, la pièce est safe. J'enlève le jeton. Et là maintenant, c'est à la piste d'événements de jouer. Piste d'événements, et c'est un bouclier, donc rien ne se passe. Fort heureusement, rien ne se passe. Donc, on va pouvoir librement vaquer à nos activités. Alors, bien le guerrier va fouiller la tombe. Il s'avance, tac, ici. Ouais, il s'avance d'un point. Tant pis, il a réalisé. De toute façon, pour fouiller, il faut obligatoirement utiliser ses dés de déplacement. Donc le nain, on a considéré qu'il s'était déplacé, mais vu que l'événement est passé, maintenant je vais pouvoir le redéplacer. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la tombe numéro 1? Si vous avez tué deux rois du sépulcre, lisez le dernier paragraphe de ce mobilier. Sinon, procédez comme suit. Alors, c'est-à-dire, en fouillant la tombe, vous trouvez une clé en bronze et quelques babioles. Piochez deux cartes équipement et une carte potion. Notez la clé de bronze sur votre feuille de personnage.
Ok, donc j'ai une case objet sur mes feuilles de personnage. Je vais noter clé en bronze. Voilà, c'est fantastique. Ça, c'est bien. Bronze. Donc, on a la clé. On a une grosse clé en bronze, quoi. Hein. Voilà. On ne sait pas trop à quoi elle va servir, mais... Alors, je vais tirer, donc, à présent, deux cartes. Deux cartes équipement. On va tirer deux cartes équipement. C'est parti. Deux cartes équipement au pif. Et il s'agit, pas mal, hein, d'une cotte de mithril et d'une petite clé. Donc ça, c'est super sympathique. Hein. La cotte de mithril vous permet d'effectuer l'action courir, puisque c'est une armure qui est considérée comme armure lourde, mais par sa conception en mithril, elle est quand même super légère. Donc elle va nous permettre de courir, et elle peut être revêtue par tout le monde en plus. De plus, vous ne recevez aucun dégât sur les pièges de lance. Eh bien voilà, ça c'est une sacrée trouvaille, j'ai envie de vous dire. Et je crois que c'est d'ailleurs, ça va être le magicien ou le voleur qui vont revêtir cette cotte de mithril. Ça, ce sera à décider. Dans l'immédiat, je la mets dans le havresac du voleur ainsi que la petite clé. Et nous avons donc trouvé en plus une clé de bronze. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, on va pouvoir se déplacer. Mais avant, le voleur avait sécurisé, bon il y a eu l'événement après, hein. Qu'on soit bien clair, je vais tirer une carte subterfuge pour voir s'il peut faire quelque chose. C'est parti. Alors, Adré Aline, jouez cette carte à la fin de votre tour de jeu, effectuez immédiatement et gratuitement un nouveau tour de jeu. Ok, bon. C'est pas terrible, on va la mettre sur sa feuille. sa feuille de marque. On saura qu'on pourra jouer deux tours d'affilée avec le voleur. Mais bon, je vois pas à quoi ça rime. Ok. Enfin, dans l'immédiat, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Très bien, je crois que l'on a fait à peu près tout. Il me reste quand même une petite chose à faire. Pour une action gratuite, je souhaiterais donner l'élixir d'esprit que j'avais récupéré au magicien pour qu'il reprenne tous ses points d'esprit. C'est très important. Pour cela, il va falloir déplacer le magicien. On va se rendre dans cette pièce juste à côté là et on fera le nécessaire. Allez, je vais déplacer le magicien qui va reculer de 4 cases. 1, 2, 3 qui va se mettre juste derrière. Le nain qui va avoir besoin d'un test d'agilité pour venir sauter cette oubliette. Alors là, on va rigoler, hein, parce que le nain n'a plus qu'un point d'esprit. Et en agilité, il est très très bon, le nain. Donc il risque de retomber... il risque de retomber dans les méandres de... Et voilà, il retombe immédiatement. Ah non, 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 si, non, 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 c'est pas ça du tout, je me trompe, les amis. Si, c'est bien cela, hein. C'est un test d'agilité, donc c'est pareil, en agilité, de toute façon, le nain, ben voilà, hein, quand il saute, c'est pas très aérien. Donc le nain va finir sa course dans l'oubliette, ici. À mon avis, qu'est-ce qu'il se passe? Le sol se dérobe sous vos pieds. L'oubliette, le nain perd à nouveau un point de corps pour cette manœuvre merdique. Donc il tombe à 2 points de corps, hein, le nain. C'est gratuit. On va tenter de passer avec le voleur qui devrait bien mieux s'en sortir. Allez, c'est parti. Heureusement, c'est pas une fosse. On ne pète pas de potions dedans. Le voleur qui doit réaliser des crânes. Donc ça passe, hein, y a pas de problème. Le voleur qui passe. Donc lui, il saute par-dessus le nain. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 qui vient se placer juste à côté du magicien dans l'autre salle. Le guerrier également doit réaliser des crânes en agilité.
Aïe, 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 c'est pas possible. Le guerrier qui se fourvoie dans la fosse également. Donc lui, également, il perd un point de corps, donc on retire les deux personnages. Et, aïe, 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 ça c'est pas bien. Bon, il était revenu full, le guerrier, mais il retombe à 6. Et là, c'est la piste d'événement avant toute chose. Piste d'événement, c'est parti. C'est un crâne noir, donc ça avance. On est sur le jeton 18. Voilà. Alors, d'emblée, je vais décider, on va se mettre comme ça, je vais décider de sortir le guerrier qui va exécuter un déplacement et se rendre à côté du magicien. Et on sort également le nain qui sort et qui peut se mettre peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui peut se mettre ici. Voilà, tout le monde est adjacent. On va pouvoir faire quelques petits échanges. Alors, de manière gratuite et très rapide, je donne donc l'épée à deux mains du guerrier au magicien qui conserve cet objet dans sa besace. Alors, ça va, j'ai encore que 3 cartes dans ma. Dans mon havre sac, ce qui ne dépasse pas le point de corps du magicien. Je donne, le voleur va donner l'élixir d'esprit au magicien qui va boire cet élixir immédiatement. Donc il retrouve 6 points et passe à 8 points d'esprit puisque les 6 points récupérés, même si votre total actuel devait dépasser son total de départ. Je vais y arriver, j'ai un petit peu de mal à lire. Ok, donc ça c'est fait. On a un petit peu fait tout ce que l'on pouvait faire. Ça c'était une action gratuite du voleur. Par contre, le voleur peut faire encore un subterfuge, s'il le veut bien. Allez, c'est parti. Ah, la cote de mithril du guerrier, c'est l'enchanteur qui va la revêtir. Tac, donc il a une cape et une cote de mithril maintenant sur le dos. Et le voleur va faire un subterfuge. Allez, c'est parti. Donc, course, encore une carte bien pourrie. Vous pouvez lancer 2 dés ordinaires de plus pour fuir comme une coutume. Voilà, c'est complètement gratuit. Ok, donc le mec, il aura droit à 2 tours de jeu plus 2 jets de dés de course. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. C'est un bon gros lâche. Ok, tout le monde est arrivé. Je pense qu'on a fait à peu près tout ce qu'on devait faire pour revenir nickel dans la partie. Allez, piste d'événement. Les amis, ça va être autour de la piste d'événement. Et c'est un crâne. Donc c'est l'événement numéro 19 qui va s'enclencher immédiatement. L'événement numéro 19. Événement numéro 19. Tirer un D6. Alors, c'est parti. On va tirer un D6. Et c'est un 3. C'est un 3. Et sur un 3, que se passe-t-il? Alors, un courant d'air éteint toutes les torches qui éclairaient le lieu, y compris la vôtre. Si vous en étiez équipé, placez un marqueur. On est déjà dans l'obscurité. Voilà quoi. Vous ne subissez pas les effets du courant d'air. Ok, très bien. Donc c'est juste un dernier courant d'air qui vient éteindre nos torches et les torchières qu'il y a sur les murs. Mais là, pour le coup, on est déjà dans un lieu obscur. Hein, donc il n'y a pas de problème. Allez, on va se diriger vers le couloir et avancer. Ça fait déjà 15 minutes que l'on fait des conneries. C'est parti. Donc on va faire des actions courir, hein, les amis. Tout le monde va courir vers le couloir. Le premier qui va s'y essayer, c'est bien sûr le magicien. Bien sûr. 4 et 4, 8. Alors c'est parti, le magicien va courir. Le magicien court. Hein. Crac, cric, cric. Crac, c'est les os, hein, c'est les os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il arrive aux abords du couloir. On va tirer après
donc le voleur. Allez, le voleur qui ne fait que deux. Et pour le coup, on va utiliser sa carte subterfuge course parce que... 2 dés ordinaires de plus. 2 dés de plus, hein, donc ça fait 3 dés. Donc écoutez, on va utiliser les 2 dés de suite. Hein. Ah, ça fait 3 fois 2, n'importe quoi. 2, 4, 6, 11, donc 22. Il devrait pas y avoir de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et le voleur est dans le couloir. Vous ne le voyez pas, mais il est dans le couloir. Ok, en plus, on est dans un lieu obscur. Je ne devrais pas tirer les dés. Donc, on va se déplacer uniquement. On va dire que le magicien a commencé à courir d'ici. Et que le voleur, lui, avait sa carte course. Et que les deux autres zigotos vont se déplacer juste avec leur point de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, on progresse. Voilà la situation actuelle, les amis. Donc on a le voleur qui a utilisé sa carte subterfuge que je vais défausser. Sa carte qui ne sert absolument à rien du tout. Et ça va être à la piste d'événements, bien entendu. Alors je la tire, mais les événements ne compteront plus. Maintenant, c'est parti. On va tirer la piste d'événements. C'est un bouclier, ça n'avance même pas. Comme ça, ça c'est fait. Ok, très bien. Bon, ben on va pouvoir... avancer. Le voleur, lui, qui est là, il va sécuriser de suite le couloir. Pour commencer. Allez, c'est parti. Donc, carte piège. Et c'est une carte recharge. C'est une carte recharge qui est défaussée. Mais par contre, tout le lot que j'avais utilisé jusque-là, eh bien, revient dans le paquet. Ok, par contre, le couloir est complètement sécurisé d'ores et déjà. Donc, ça, c'est très bien. Je mélange le petit deck qui revient en jeu. Tac, j'enlève le jeton. Et... le voleur peut essayer de se déplacer. Non, on va attendre. On va attendre. Une fois de plus, je vais réunir tous les héros ici. Et on va donner une bonne partie des potions au voleur qui va sauter. Ou peut-être au guerrier hein, qui a plus de points de corps pour prendre tous ses objets dans sa besace. Et il sautera, lui, pour avoir plus de chances de ne pas casser de potions. Voilà, donc le magicien, lui, 1, 2, 3, 4, qui va se mettre là. Peut-être avec l'aide d'un petit dé, il pourrait se mettre derrière le voleur. Alors, une seconde. Il nous fait un 5. Il nous fait un 5, le voleur, donc, enfin le magicien, 1, 2, 3. Donc il vient direct hein, derrière le voleur. Allez, on va courir maintenant avec le nain. Le nain qui fait un 6. Le nain qui fait un 6. Ok, très bien. Le nain qui a décidé de se sortir le doigt du cul. 6 et 7, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 et 13 qui va se mettre à côté du magicien. Ok, on n'a même pas eu trop besoin de courir. C'est très bien. Le guerrier. 6. Guerrier qui fait le même pratiquement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et qui va faire une action courir et rejoindre ses petits camarades dans le couloir. Ok. Donc, de là, pour une action gratuite... le magicien va donner son breuvage magique. Le voleur va donner sa potion de guérison et son guéritou. Et le nain va donner sa potion de force. Sa potion de guérison et son guéritou également. Cela fait 6 cartes. Plus la carte clé que j'ai dans ma besace, ça fait pile poil 7 cartes.
Donc je ne suis pas encombré et je pourrais aller essayer de sauter la brèche. Alors espérons que ça marche, hein, ma stratégie, parce que sinon c'est la baise. Bon, piste d'événement, alors on va voir ça. Ah, c'est un crâne, donc ça avance, mais voilà, c'est juste pour le ciblage d'ores et déjà. Donc on va tenter de sauter avec le guerrier qui va se servir de ses points de corps. 1, 2, et qui va tenter de sauter avec 2 dés. C'est un test d'agilité plus 1. Et il y parvient. Ouf, ouf, ouf. Il y parvient, je vous avoue que j'ai eu une petite suée. Donc il peut se mettre devant, juste devant la porte. Et ouvrir celle-ci. Donc là on est bien, on a préservé les potions, hein, d'ores et déjà. Hein. Donc si quelqu'un tombe, bon ben c'est dommage, mais on préserve les potions. Hein, donc ça c'est déjà bien. Ok, on ouvre la porte. La porte est ouverte. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu mieux. La porte est ouverte et on tire une carte donjon, c'est parti. Et on tombe sur un couloir avec 2 portes fermées à clé. Voilà, le couloir est mis en place, 2 portes fermées à clé. Je pense qu'on va utiliser le voleur pour ouvrir l'une de celles-ci. Mais avant, il va falloir... Je vais essayer de faire traverser d'entrée de jeu le nain. Alors attendez, parce que le guerrier, lui, avait fait 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Il peut se mettre dans le couloir et tirer ses dés de piège pour la bonne cause. C'est parti. Donc il est safe. Il est safe. C'est 2 crânes. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est 2 crânes. Ok. Le nain. Le nain va prendre son élan. Il va prendre son élan. Ça va être difficile pour lui parce que en poche, il a quand même 490 pièces d'or. Donc pour faire le bond de la foi, le saut de la foi, le nain va avoir des difficultés. Donc il prend son élan, c'est parti, 1, 2, 3, il arrive devant la fosse profonde et va tirer ses jets d'agilité. Des jets d'agilité incroyables et magiques. Et il y parvient, il y parvient, regardez ça. C'est complètement fou. On a un nain qui vole au-dessus de la fosse hérissée de pointes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, qui peut venir à côté du guerrier. Ou derrière, juste derrière le guerrier. Le nain qui est parvenu à sauter. Donc ça c'est quand même unique. On va faire sauter le magicien qui en agilité a quand même un bouclier. 1, 2, 3, 4, le magicien qui a besoin d'un dé de déplacement et ensuite qui va tirer ses dés. Le dé de déplacement qui fait un 6 et les 2 dés d'agilité et il passe le magicien avec 2 boucliers s'il vous plaît. Non mais on a une équipe de... Putain, c'est... Les mecs ils lévitent, hein, c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Qui va se mettre à côté du guerrier ou même un tout petit peu devant comme ceci et on n'a pas tiré les dés de piège ni du nain ni du sorcier donc on va le faire de suite. Allez, le nain qui est safe et le magicien qui est safe également. Ok, très bien. Du reste on va rester là sur cette prise et on va tirer les dés d'agilité du voleur et qui fait un crâne donc qui passe également. Ça c'est classe. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et qui peut se mettre ici. Ok, le voleur ne tire pas de dés de piège, mais va essayer de sécuriser immédiatement le couloir. Ça c'est sa petite action. Et c'est bon, le couloir est safe. Ça c'est pas mal. Bon, ben on s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien. Ça c'est cool, je peux enlever ce petit jeton. Ok, tout le monde a bougé, donc il n'y a pas d'action particulière à faire. Piste d'événement et on va aller crocheter l'une des 2 portes avec le voleur. C'est un crâne, ça avance, c'est bien, enfin ça avance, si ça peut avancer de toute façon, il n'y a pas de problème. Alors,
le voleur qui va récupérer peut-être quelques cartes. Hein. Le voleur qui va récupérer sa potion de guérison et son guéritout. Le nain qui va récupérer, oui, qui est à côté du guerrier, donc pas de problème pour une action gratuite, hein, sa potion de force et son guéritout. C'est lui qui avait un guéritout également. Le guerrier conserve sa clé Ok, je crois que le nain avait une potion de guérison et le magicien avait son breuvage héroïque. Ok. Très bien, ça c'est fait. Donc on est bien. On est pas mal du tout pour continuer ce donjon. Il fallait peut-être refaire un petit peu les comptes à droite à gauche pour se remettre bien. Et là c'est parti. Donc le voleur qui va se mettre ici, pourquoi pas, qui peut se mettre là et qui va crocheter la porte, enfin qui va tenter de la crocheter. Alors il a un nouveau talent sur mes cartes. Donc nous avons... Ah ouais. D'accord, ouais. Putain. Ah ouais, même avec le voleur, je crois que j'y arriverai pas en fait. C'est n'importe quoi. Oh putain, bon ben le voleur... Écoutez, on va quand même tenter. Le voleur. Alors moi, le crochetage, ça se passe un petit peu différemment que sur la V2 de Gravaillon. C'est-à-dire que là, j'ai trois tentatives comme pour Gravaillon. Chaque dé qui réaliseront les symboles de la carte vont être retirés. Et pour les deuxième et troisième tentatives, le nombre de dés va diminuer en fin de compte pour obtenir le reste des symboles. Mais le voleur, lui, a toujours 6 dés et peut tirer 3 fois 6 dés pour obtenir les symboles, étant donné que c'est un voleur. C'est la capacité passe-partout que je lui ai octroyé à la place de... Je ne sais plus ce qu'il avait, c'était une question de piège, je crois. Allez, c'est parti, donc on va tenter. On va tenter, premier jet de dés. Alors, on a déjà donc deux figurines qui sont obtenues, et un crâne, donc c'est déjà pas mal. Il nous reste à faire trois crânes noirs avec 6 dés. On va tenter, c'est pas perdu d'avance. En tout cas là on obtient absolument rien du tout. Et deuxième tentative, dernière tentative, alors que le dé vient de choir au sol. Et voyez par vous-même, de toute façon ce sera un échec puisque je n'ai obtenu qu'une seule figurine. Donc même avec la capacité passe-partout de notre ami voleur, eh bien ça ne passe pas. Donc je vais tirer une carte et s'il y a écrit échec de crochetage, j'en subirai les conséquences. Échec de crochetage. Le mécanisme de la serrure se brise, vous voilà contraint de forcer la porte. Ok. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est moindre mal. On a un voleur qui est fantastique, quoi. Le mec, quoi. On retire une nouvelle carte pour savoir... Enfin non, on retire pas de nouvelle carte, c'est la même carte. C'est la même carte. Donc, elle a... C'est la même carte. Et c'était une serrure magique. Hein. Donc elle se brise. Et donc nous avons... elle a 5 dés de défense. Et donc le guerrier va essayer de la défoncer. Hein. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il se met là, le guerrier, et essaie de forcer la porte avec ses jets de combat. Donc le guerrier qui est revenu avec son épée fine. Hein. Et qui a un bouclier, par contre, en défense, étant donné qu'il n'a plus l'épée longue. C'est parti. Donc, premier test. Il fait deux crânes. Deux crânes. Bon, par contre, elle n'a qu'un point de résistance. Donc, si elle peut sauter assez facilement. Deux crânes, et elle ne se défend que de un. Voilà, donc elle saute. Elle saute de suite. Ça, c'est formidable. Donc la porte saute, crac, c'est fini, et une carte donjon. Et nous tombons sur une pièce fermée avec une carte matrice et une pièce fermée, une porte fermée à clé.
Ok, voilà la nouvelle salle, les amis. Carte matrice, d'ores et déjà, c'est parti. Tac. Et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, c'est bien ma veine pour vous offrir un peu d'action. Eh bien, c'est raté. Ben, désolé, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Il n'y a rien du tout. On a défoncé la porte, c'est très bien. Le magicien va s'avancer, donc, 1, 2, 3, juste de ses points de déplacement. Et le nain également, qui va se déplacer juste de ses points de déplacement. Et on va tirer la piste d'événements. Et puis, on va aller fouiller cette pièce. Piste d'événement, c'est parti. C'est un crâne. C'est un crâne, ici. Donc, ça avance, mais... plus d'événements, hein, comme dit. Donc là, on va être un petit peu plus tranquille à ce niveau-là. Le voleur qui va pénétrer, qui va sécuriser la pièce. Voilà, il pénètre au milieu, comme ça, de ses points de corps uniquement... Et il tire une première carte piège. Et il parvient immédiatement à sécuriser la pièce. Ok, c'est parfait. Donc, là, la pièce est sécurisée d'entrée de jeu. Le nain va pénétrer comme un fouisseur qu'il est. Et il va s'efforcer de trouver un trésor. Donc, il se met là et tire deux cartes trésor. C'est parti. Quête un tout petit peu plus calme que d'habitude. Enfin... quand je dis un tout petit peu plus calme que d'habitude, c'est l'épisode hein, qui est un petit peu plus calme. Hein, parce que je peux vous dire que derrière, il va rester peut-être quelque chose. Il reste de l'action, malgré que les cartes matrices ne veuillent pas s'engager. Ok, deux cartes trésor. Donc, cache au trésor et démord, les amis. Voilà. Ça, c'est ce que le nain a trouvé. Alors, démord. Démord, on recharge, puisque je ne vais pas choisir ceci. Et cache au trésor. Alors, cache au trésor, vous poussez accidentellement une pierre du mur et un passage s'ouvre. À l'intérieur se trouve le cadavre d'un aventurier mort. Prenez 175 pièces d'or, puis lancez... un des blancs sur un crâne, piochez une carte équipement. Pour tout autre résultat, piochez une carte potion. Ça, ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Le nain qui tient quand même à sa place hein, dans l'équipe. Hein. On peut dire qu'il tient à sa place. 175 pièces d'or supplémentaires. Donc je note en tout petit et on va tirer un dé pour savoir quel équipement on... ou est-ce que c'est un équipement ou une potion que l'on récupère quoi. C'est une potion. C'est une carte potion. Donc, allez. Petite carte potion, c'est parti. C'est une potion de résistance. Potion de résistance vous permet de lancer 2 dés violets de plus pour assurer votre jet lors d'un jet de défense jusqu'à votre prochain tour. Ok. Et ça, ça rentre dans la besace du nain. Voilà, donc il a déjà une potion de force, lui, une potion de résistance, un guéritout. Une potion de guérison. Lui, il est blindé, ça c'est sûr. Et il a... 700 et quelques pièces d'or sur lui. Voilà, c'est n'importe quoi. Ok, très bien. Ça, c'est fait. Donc, on va continuer, les amis. On continue. 1, 2, 3, 4, 5 avec le guerrier. Et on va... Non, le guerrier va s'arrêter là, bêtement. Le magicien va suivre 1, 2, 3, 4 et va se mettre ici. Piste d'événement très rapidement. Et c'est un crâne, donc ça avance à nouveau. Ça avance de 1. Ok. Donc on est même déjà à 2. On est sur le 23, donc à 2 jetons de la fin carrément de l'événement. Ok, le voleur qui va s'approcher, qui va retenter sa chance avec sa particularité. Donc c'est une serrure de fer et là, franchement, s'il n'y arrive pas, c'est abusé. Voyez comme quoi, il y a des fois, ben, il peut quand même échouer. Ça, c'était la preuve du truc. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. 2 crânes, 2 boucliers et un crâne noir. Premier jet.
on a déjà les trois crânes, le bouclier. C'est 6 dés en plus. Hein. Alors attendez, il en manque un. Tac. Et un autre bouclier. Donc on a validé les trois crânes, les deux boucliers. Et il nous reste 2 jets de 6 dés pour essayer d'obtenir le crâne noir. Ce qui devrait être une formalité. Je répète. Donc allez, allez le voleur. Hein. Il faut se ménager un peu. Et voilà, ça y est, c'est bon. J'ai eu peur, hein, mais enfin, il n'a fallu que 1 dé sur 12 dés tirés, même plus pour 18 dés tirés. 18 dés tirés pour obtenir ça. Hein. C'est pas que, mais quand même. Hein. Ok, la porte s'ouvre dans un grincement sinistre et la prochaine carte donjon est ici. Et c'est un couloir voûté, les amis. Nouveau couloir de mon système avec une porte et une carte matrice. Voilà, les amis, le nouveau couloir de mon système avec une carte matrice. Allez, c'est parti, carte matrice. Nous avons donc déjà un changement de population ici. Donc, ce qui veut dire que nous allons avoir un jeton obscurité dans le couloir, déjà, pour commencer. Ok, alors... Tac, jeton, excusez-moi pour le désagrément. C'est un couloir non sécurisé et ça ira. Pas de passage secret, pas de trésor dans les couloirs. Ok. Et donc, sur cette carte matrice, donc les rats passent en B, les zombies en A. Et qu'est-ce que nous avons? Deux zombies, un rat et une goule. Ok, voilà le topo, les amis. Donc, deux zombies, une goule et un rat nous attendent dans ce tout nouveau couloir. Que dire de plus? Que dire de plus? Vous vouliez de l'action? Eh bien, vous allez en avoir. Alors, comment allons-nous procéder, les amis? Bon, le nain... Le voleur a joué, le nain a cherché son trésor... C'est au guerrier de se lancer dans la bataille. Le nain va quand même d'abord pour une action gratuite boire sa potion de guérison. Parce qu'il ne lui reste plus que 2 points de vie, il me semble. Donc il absorbe sa petite potion de guérison, Grimgar. 4. Il ne remonte que à... Ah, il prend un point d'esprit aussi. Ça c'est bien, donc il prend, il remonte à 6 points de corps et 2 points d'esprit. Ça c'est pas mal. Ok, ça c'était la petite action gratuite. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Alors restez avec moi parce qu'on va terminer ce couloir et on fera la salle qui suit ensuite. Allez, donc on va avancer avec le guerrier, ne serait-ce qu'avec ses points de... ses points... de corps, mais avant, 1, 2, 3, 4, donc il se met là, il fait déjà un petit déplacement, et le magicien va lui rendre son épée bâtarde qu'il va équiper. Là, il faut rentrer dans le tas, parce que ça va être tendu. Ok, ça va être tendu. 1, 2, 3, 4, 5. Il se met devant le zombie. Déjà, pour commencer. On va frapper au plus fort les copains. Parce qu'il y a du monde, hein, quand même. Il y a du monde. On a quelques potions guérit tout. Donc, au niveau des maladies, ça devrait bien se passer. Mais, tout de même. Alors, un des noirs, un des blancs et un des oranges. Et on est dans un couloir obscur. Donc, c'est pour ça que j'ai rendu l'épée bâtarde au guerrier. On supprime un des blancs pour l'attaque. C'est donc parti pour l'attaque du guerrier. Allez. L'attaque du guerrier. Qu'est-ce qui nous fait un crâne? Simplement un crâne avec un 8. La défense du zombie qui est de 3 des blancs. Eux n'ont pas de pénalité, hein. Zombie, il en a rien à foutre de l'obscurité, de toute façon. Et il se défend très largement. Hein. Il se défend très très largement, donc pour le coup, c'est loupé.
Voilà, l'attaque, l'attaque du guerrier dans le vide. Enfin, pas dans le vide, mais dans l'obscurité, il a du mal à voir. Ok. Le magicien, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme sortilège, par exemple, pour essayer d'attaquer aussi. Je pense que... Alors, que je ne me trompe pas, les amis. On aurait même peut-être dû lui faire lancer un sortilège avant. Parce que là... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Au travers, peau de roc, guérison corporelle, encore une fois. Boule de feu que j'aimerais conserver au cas où l'on croiserait un fantôme encore. C'est pas sûr, mais quand même. Donc, j'ai envie de vous dire, on va lancer courage sur le guerrier, et au prochain tour, il pourra lancer un dé blanc de plus qui compensera en fin de compte la perte du dé blanc dû au jeton obscurité. Voilà, donc on jette courage sur le guerrier. On va tenter de suite de récupérer le sortilège. C'est parti. Est-ce qu'on le récupère? Non, on ne le récupère pas. Yastromo a 8 points d'esprit. On peut en utiliser un, histoire de rigoler. On tombe à 7, je retire, on verra. Et on ne le récupère pas. On aura perdu un sortilège et un point d'esprit. Ce n'est pas bien grave. Ok, donc maintenant, ça va être à la piste d'événements de s'agiter. Et puis au monstre de s'activer. Piste d'événements, donc, et c'est un crâne. Hein, donc ça va avancer de 1. Hop, on avance. On est à un jeton de la dernière case, de toute façon. Donc après, on tirera les événements pour savoir le ciblage uniquement, mais rien de plus. Ok, donc un crâne. Le zombie, lui, il veut le voleur. Il veut le voleur et le nain et le guerrier. Est-ce qu'il peut passer? Il peut passer sur son collègue, techniquement, et venir sur le côté et venir là, tout simplement. Il peut venir voir le voleur. J'espère que vous y voyez. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc le zombie est ici. Hein. Le zombie est ici et il va tenter d'attaquer le voleur, quoi. De le mordre et de lui manger du cerveau. Cerveau. clin d'œil. Au plus grand classique des films d'horreur. Voilà, alors. Hop. Et ces deux crânes pour le zombie. Le voleur qui va se défendre avec un dé violet. Simplement un dé violet, il n'a pas de pénalité, mais il peut jeter 2 avec sa cape. Non, là ça ne passe pas. Et le deuxième passe. Le deuxième passe, donc on s'en sort très très bien, avec un 10 qui ne servira à rien. Ok. C'est très bien. Donc, le zombie a tenté d'attaquer le voleur, mais le voleur a pu se défendre avec... Avec réussite, donc c'est formidable. Le deuxième monstre qui va attaquer, c'est le rat, donc le rat veut le nain en premier et le magicien ou le guerrier. Donc le rat se déplace de 10 cases, hein, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il ne parviendra pas à atteindre ni le nain ni le magicien, il va aller sur le guerrier. Le rat qui va sur le guerrier, voilà, comme ceci, et qui va attaquer avec son petit dé noir, le guerrier. Espérons qu'on n'attrape pas de maladie. Hein. Attaque du rat, donc, du rat géant, et c'est un crâne. C'est un joli crâne. 2 dés blancs et un dé violet pour la défense du guerrier. Mais on supprime un dé blanc pour cause d'obscurité. Toujours pareil, c'est parti. Et il se défend parfaitement, donc ça c'est très bien. Ok, tout va bien jusqu'à présent, on est plutôt safe, hormis l'attaque du guerrier qui ne sert absolument à rien.
qui n'a servi à rien, du moins. Voilà. La goule, maintenant, va s'efforcer de venir essayer de toucher le magicien avec 6 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, et qui peut venir, hein, qui peut venir largement. Elle vient, et elle vient contre le magicien. Elle est ici, la goule. Hein ? Très bien. Donc, la goule qui va... belle saloperie aussi, hein, les goules. Les goules, c'est vraiment des saloperies. Sauf que dans cette pièce, on n'est pas en difficulté. Donc, au prochain tour, je vais reculer carrément le guerrier là. Je vais reculer le guerrier là et on va se battre là, puisqu'on n'est pas en difficulté au niveau de l'obscurité. Et on va laisser venir, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Enfin, sinon, on va pas y arriver. On pourrait y arriver, mais bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok, donc l'attaque de la goule sur le magicien. Ce qui est bien, c'est que le magicien a sa cote de mithril maintenant. Et la goule ne fait qu'un crâne. Donc le magicien a sa cote de mithril, en plus sa cape. Donc il a un dé vert, non, un dé bleu et deux dés violets en défense. Et il peut tirer deux fois. Donc sa défense a carrément démultiplié par rapport à ce qu'il pouvait avoir au départ. Hein. Donc ça, c'est vraiment classe. Hein. Allez, c'est parti, défense. Et donc c'est deux boucliers ici. Donc d'un coup, il se défend sans aucun problème. On a oublié de faire jouer le deuxième zombie au passage. Hein. Donc je vais le faire jouer de suite, le deuxième zombie. Il voulait le voleur. Donc est-ce qu'il va pouvoir ça j'en doute, hein. J'en doute. Oups, je viens de toucher à la caméra. J'en doute fort. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être difficile, hein. Donc il va venir 1, 2, 3, 4 à côté du guerrier et va essayer de le pourrir. Cerveau. C'est la journée, le retour des morts vivants, pour celui qui ne l'aurait pas vu, un très grand classique des années 80. Voilà. Cerveau. Bon, allez, l'attaque du zombie sur le guerrier. Donc, il ne fait qu'un crâne, ici. On a un crâne, ici. Le guerrier, hein, un des violets, deux, et un des blancs, uniquement. Tac, c'est parti en défense. Qui fait qu'il ne se défend pas du tout. Et le guerrier, il lui reste 2 points d'esprit, c'est pas folichon non plus. Il va falloir qu'il fasse peut-être un test d'endurance plus 1 pour éviter la maladie. Mais déjà on perd un point de corps, hein, ça c'est sûr, j'utilise pas le point d'esprit maintenant. Donc test d'endurance. Chez le guerrier, on est sur des crânes. Allez, c'est parti. Test d'endurance. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il ne se défend pas. Là, par contre, j'utilise un point d'esprit parce que je ne suis pas d'accord. Donc, je tombe à 1. Et là, je me défends. Ok, d'accord. Je préfère. Ok, donc voilà toute la scène devant vos yeux ébahis. Bon. Eh bien, on a réussi plus ou moins à s'en sortir, quoi. C'était un peu compliqué. Le voleur, on va le faire jouer deux fois. Le voleur va attaquer deux fois avec sa carte Adréaline. Effectuer immédiatement et gratuitement un nouveau tour de jeu. Vous l'aurez compris, si on arrive à tuer le zombie, je vais de suite aller me ruer sur la goule. On va voir. Donc, d'une pierre deux coups, on pourrait faire beaucoup de dégâts. Surtout qu'on n'est pas amputé d'un dé blanc pour l'attaque. Donc, deux dés blancs pour le voleur qui va attaquer le zombie une première fois. Et qui va utiliser sa capacité adrénaline. Donc, une réussite critique, les amis. On applaudit, c'est fantastique. Donc, trois crânes sur le zombie. Donc c'est efficace, le zombie, est-ce qu'il va se défendre? Il peut techniquement se défendre, mais il ne se défendra pas. Donc le zombie disparaît. Le premier zombie disparaît ici. Il arrive à...
à tuer ce mort-vivant. Puis il se déplace. Il se déplace et se met là et va attaquer la goule avec donc sa carte adréaline que nous avions tirée. Sa carte subterfuge. Et c'est parti, le résultat sur la goule. Et un 14 et deux crânes. Deux crânes, le 14 ne sert à rien, mais deux crânes. C'est un très très bon résultat. La goule se défend avec deux dés bleus. Donc autant dire que elle va pas forcément, elle a failli tout de même se défendre, mais là c'est un crâne, elle n'a qu'un point de corps, donc la goule est morte, et ça c'est une très belle opération, les amis. Voilà, voilà qui est fait, voilà comment ça se passe. Le guerrier, écoutez, le guerrier, on va le faire attaquer une fois et puis il va reculer. On va le faire attaquer sur le zombie. Donc là, avec un héros, superbe opération de deux créatures en un tour. Ça, c'est génial. Donc, le guerrier, lui, ben voilà, il va frapper comme il peut, mais avec un dé noir et un dé orange uniquement, puisqu'il est encore dans le couloir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous fait un crâne ? Un crâne uniquement, hein, donc pas de quoi sauter au plafond. Le zombie qui peut largement se défendre. Avec un dé qui sort, je le retire et qui ne se défend pas. Alors lui, vous ne le voyez pas, donc je le remets et lui non plus. C'est lequel que vous ne voyez pas ? C'est celui-là. C'était un bouclier. Donc le zombie est pulvérisé également. Le zombie est pulvérisé. Il parvient à lui couper la tête roule au sol. Cerveau. Non, il n'en aura pas pour le petit déjeuner. Alors, il recule 1, 2, 3. Et on va se mettre ici, tout simplement, et attendre que le rat vienne. Ou la piste d'événement. C'est la piste d'événement, là, je crois. Hein. Piste d'événement, c'est un bouclier, ça n'avance pas. Alors, le cadrage n'est pas très très bon. Je m'en excuse. Le rat. Donc on va mettre le tout de même le dé sur le bouclier. Et nous allons donc... le rat veut le magicien ou le nain avec 10 de déplacement. C'est fort possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir sur le magicien en premier. Voilà, c'est ça. C'est le magicien en premier. Donc il vient. Alors je n'ai plus d'inquiétude à avoir pour le magicien. Et ça c'est très bien parce qu'il porte sa cotte de mithril. Et donc le rat, on va voir, hein, mais pas d'inquiétude, hein, normalement ça passe. Hein. Le rat qui fait un crâne, qui fait quand même un crâne. Hein. Le rat qui fait quand même un crâne. Hein. Donc deux dés violets et un dé bleu pour le magicien Yastromo, qui se défend très largement. Hein. Trois boucliers, vous pouvez le constater. Avec un 4, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, le rat va souffrir, puisque le guerrier va se déplacer. Le guerrier va se déplacer, n'est plus amputé de ses dés par l'obscurité. Donc, il va y avoir full dégâts sur lui. Un dé noir, un dé blanc et un dé orange. Voilà. Stratégiquement, c'était pas mal joué. Donc, échec critique. Échec critique avec deux crânes, tout de même. Et donc, on fait sauter un crâne, hein, tout simplement, sur un échec critique. Et si le rat ne parvient à se défendre, il pourra attaquer gratuitement. Allez, c'est parti. Et il parvient à se défendre. Donc, il attaque gratuitement le guerrier avec un crâne. Avec un crâne et le guerrier, c'est... Un des violets, deux des blancs, hein, maintenant, puisqu'il est revenu dans la lumière. Et il se défend parfaitement, il se défend, il n'y a aucun problème. Ok, le nain, lui, ne s'est pas encore amusé. On va juste pousser la porte, je vais la mettre là. Et le nain qui va venir, 1, 2, 3, et qui va venir ici, sur le côté, qui va essayer de... qui devrait réussir, quoi,
à tuer cette créature complètement nuisible, quoi, finalement. C'est ni plus ni moins qu'un nuisible gigantesque. Et voilà, donc deux crânes. Et vu que le rat ne se défend qu'avec un des blancs, il est directement effacé, taxé, terminé. Voilà, nous sommes venus à bout de toutes ces saloperies sans trop de dommages. C'est pas mal du tout. Ok. Plus d'événements, cela veut dire également qu'il n'y aura plus de points d'esprit récupérés. Hein. Donc voilà, hein. Ça c'est moins marrant. Ok, le voleur, lui, je ne sais pas s'il avait joué, le voleur. Écoutez, on annule tout, on va tirer la piste d'événements, comme ça on est tranquille. Voilà, c'est un crâne. Donc on est au bout de la piste d'événements, donc de toute façon il ne se passe rien, c'est juste pour la piste de ciblage, et on tire une carte adrénaline, une carte subterfuge pour le voleur, et c'est une carte furtivité. Au cours de ce déplacement, vous pouvez traverser n'importe quelle case occupée. Vous devez cependant terminer votre déplacement sur une case libre. De plus, si vous n'attaquez pas ce tour, aucun monstre ne pourra vous attaquer durant le prochain tour du joueur sorcier. Ok, cependant, c'est au cours de ce déplacement. Ok, on va la garder de côté. On va la garder de côté et ça peut servir. Ça peut servir, il peut passer dans l'ombre et éviter quelque chose. Donc on va tirer un dé de déplacement et on va avancer dans le couloir. Avec, voilà, c'est un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le voleur qui est là et qui va chercher un piège pour ses petits camarades. Est-ce que le fait d'utiliser une carte subterfuge est une action? Ça, je ne sais pas. On se replace juste un peu, voilà. Alors, ce petit couloir est vraiment très sympathique, je trouve. Et franchement, il est classe. Alors, est-ce que c'est considéré comme une action? Je ne sais plus. Je crois que oui ou non. Non, je pense pas, puisque on a tiré juste une carte. Donc, je sécurise le couloir et on trouve une lance. Ok, on trouve une lance, je tire le dé pour savoir où elle se place, cette lance, et elle est ici. Alors attendez, très exactement, elle est ici. Tac. Juste à côté de lui. Juste à côté de lui, la lance se déclenche. Deuxième piège, et là, on arrive à sécuriser le couloir voûté. Donc, on enlève le petit jeton. C'est formidable, on va pénétrer avec le guerrier qui va utiliser un dé de déplacement en plus pour essayer d'atteindre la porte. Alors que la caméra ne veut pas faire son autofocus. Ah si, ça y est, c'est bon. Alors, le déplacement du guerrier qui ne fait que 1. Tranquille le guerrier qui n'atteindra pas vraisemblablement la porte. 1, 2, 3, aïe. Alors, tout s'écroule. Non, cette porte, on ne l'a jamais défoncée en vrai. Tout est en train de s'écrouler. Ok, on revient. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le guerrier qui peut venir là. Le magicien, 1, 2, 3, 4, qui va se mettre juste là. Et le nain qu'on va déplacer également. Le nain qui fait 1 aussi. Putain, c'est mon chiffre fétiche. Je devrais le jouer au loto, quoi. J'ai l'impression. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui va se mettre à côté du magicien. Voilà. Attention, le piège de lance à ne pas marcher dessus par inadvertance. Ça serait un petit peu dommage. Bon, je tire la piste d'événement. Je ne vous montre même pas le jet de dé. C'est un crâne. Ça reste comme c'est. C'était déjà un crâne. Donc, je vous montre même pas le jet de dé. Ça ne sert à rien. Et on va avancer. Le guerrier. Le guerrier 1, 2 qui ouvre la porte du donjon. Carte donjon pour le guerrier. Et c'est la pièce spéciale E qui se présente à nous.
Ok les amis, donc c'est nous avons trouvé le couloir qui mène à la porte verrouillée de fer. Donc la pièce spéciale E est verrouillée par une porte de fer ici que vous voyez. Cette porte, il faut posséder la clé en bronze pour pouvoir l'ouvrir. Donc nous l'avions trouvé. Nous l'avions trouvé. De plus, je crois que c'était le guerrier qui l'avait. Je regarde, oui, c'est exact. Donc c'est le guerrier qui l'avait. Donc il va pouvoir venir et ouvrir ici. Alors le couloir, pour le coup, n'est pas piégé. C'est juste un couloir de circonstance, étant donné que je ne peux pas tomber sur la porte directement. Vous l'aurez bien compris, on vient d'ouvrir une porte, je suis obligé de mettre un couloir qui mène à cette porte, et cette porte va mener directement à la pièce spéciale E. Donc, on va faire avancer tous les héros, et puis on va venir pour ouvrir cette porte. Donc, on fait avancer le voleur, qui ne fait que deux, le voleur, hein. Donc il peut faire une action courir, hein, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le voleur qui se place ici. Le nain. Le nain qui fait 4. Le nain qui fait 4 et qui va certainement faire une action courir également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nain qui peut se placer juste ici. Quant au magicien qui ne fait que 1. Le magicien qui ne fait que 1, quoi. Putain. 1, je vous dis, je vais aller jouer au loto. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le magicien qui a la traîne, même en courant. Hein. Même en courant, ça ne change absolument rien. Piste d'événement, je ne vous montre même pas le jet de dés. C'est un crâne noir. Donc voilà, on est sur un ciblage de crâne noir. Et on va avancer avec le guerrier. Lui, par contre, va tirer son dé de déplacement. C'est parti. Et c'est un 3. C'est un 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le guerrier qui peut se placer ici. Ok. Le guerrier qui a effectué son déplacement et qui ne pourra pas jouer plus. Donc, ce qu'on va faire immédiatement, on va juste déplacer le magicien. 1, 2, 3, 4, qui va venir rejoindre ses compagnons. Et ce que l'on va faire, on va passer notre tour pour les prochains héros. Et on va tirer la piste d'événement. Donc c'est un bouclier, ça n'avance pas. Enfin, rien ne se passe si ce n'est que on reste sur la même piste de ciblage. C'est-à-dire la piste inférieure à celle du crâne. Et à ce moment-là, on peut ouvrir la porte et pénétrer dans la pièce E. Donc je mets la clé dans la serrure, j'ouvre la pièce spéciale E. Vous faites tourner la clé en bronze dans la serrure et la lourde porte de fer s'ouvre dans un grincement sinistre. Tout autour de vous, contre les murs, des flambeaux s'allument soudainement, éclairant une vaste pièce au plafond voûté. Une grande flamme prend vie dans ce qui semble être une torchère en bronze finement sculptée d'ornements divers. La lumière qui vacille dans la salle crée des ombres qui dansent contre les parois des murs tout autour de vous. Vous apercevez un magnifique sarcophage en marbre somptueusement sculpté au centre de la pièce et un coffre est posé au sol au pied de la tombe. Le couvercle du sarcophage en marbre sculpté lui aussi représente un roi couché avec une longue épée dans ses mains et il semble très lourd. Il règne une atmosphère très envoûtante en ce lieu et vous comprenez qu'il s'agit de la chambre funéraire du dernier roi de la légende qui repose éternellement dans sa tombe. Mais son repos semble prendre fin alors que le lourd
couvercle glisse lentement sur le côté et finit par tomber au sol dans un bruit lourd et sourd. La porte de fer se referme d'elle-même et vous faites volte-face, mais celle-ci a disparu. Le repos du dernier roi semble être rompu et il se redresse devant vous, vêtu d'une luxuriante armure et drapé d'une longue cape en peau de bête. Ses traits cadavériques caractérisent la créature non morte qui vous fait face à présent. Une lueur verte illumine ses orbites creuses et ses mains décharnées empoignent une longue épée rouillée dont le pommeau est serti de nombreuses pierres précieuses. Le dernier roi s'avance vers vous, coiffé de sa somptueuse couronne d'or incrustée de nombreux joyaux, bien décidé à pourfendre les inconscients qui ont osé déranger son sommeil éternel. Voilà pour le petit prologue de cette dernière pièce, les amis. Nous sommes donc arrivés dans la dernière pièce de ce donjon. Alors, il manquait des cartes donjon. Vous n'avez pas pu voir de scorpion géant, par exemple, ni de serpent géant. Mais ce n'est pas grave. Peut-être un jour, je rejouerai ce scénario. Pas dans l'immédiat, bien sûr. Mais là, dans les circonstances actuelles, donc on va pénétrer tous dans la salle et on va affronter le dernier roi du sépulcre. À chacun de ses tours, le dernier roi du sépulcre tente d'invoquer un esprit gardien afin qu'il combatte à ses côtés. Pour cela, il tire un dé blanc de combat sur un bouclier blanc. Il réussit à invoquer l'esprit gardien. Si vous tuez l'esprit gardien, le roi tente de le rappeler à chacun de ses tours. Cet esprit gardien a exactement les mêmes caractéristiques qu'un fantôme. Il utilise l'ordre de ciblage E. Si vous parvenez à réduire les points de corps du roi à 2, lisez l'épilogue. Donc, à savoir que le dernier roi du sépulcre est redoutable et sa lame est empoisonnée. Chaque fois que le roi parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit une carte état empoisonnée, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance. Le dernier roi du sépulcre est immunisé contre l'eau bénite. Ok, on est bien. Le dernier roi du sépulcre a 6, 7 points de vie, 3 points d'esprit, 5 points de déplacement, 3 dés blancs et 2 dés noirs en attaque, 3 dés violets en défense. on est bien, les amis. On est très très bien. Bon, eh bien c'est déjà bien qu'on soit arrivé devant lui. J'ai envie de vous dire, on a plein de cartes en notre possession qu'il va falloir utiliser dans les meilleurs délais, en tout cas, et correctement, hein, pour contre cette créature. Donc voilà, nos héros sont ici. On va activer de suite les hostilités. Donc on va aller foncer vers le roi et essayer de le faire taire le plus vite possible. Donc le voleur va rentrer en premier. C'est parti avec un 6. Donc c'est un beau déplacement que le voleur effectue. Alors, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, et qui peut venir au contact du roi. Vous voyez cette superbe figurine qui est très très jolie. Je ne sais pas si je peux bien vous la montrer. Elle est super sympathique, hein, franchement. Là, c'est un peu trouble, malheureusement. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure en mieux. Voilà, donc, le voleur qui s'est activé et qui va tenter de toucher... directement, hein, qui va tenter d'attaquer directement avec ses dés d'attaque, en sachant que la pièce est illuminée, donc il n'y a aucun problème. C'est parti, le voleur, très courageusement, qui va même... qui va attaquer. Allez, c'est parti. Première attaque du voleur avec un échec critique, donc le seul crâne que l'on a fait disparaître. Et le roi du sépulcre peut attaquer, directement. Oui, c'est le roi du sépulcre, hein, c'est normal. C'est tout à fait
normal, j'ai envie de vous dire, c'est le boss final. Et voilà, le roi du sépulcre qui exécute trois crânes contre le voleur. Donc, le voleur, lui, lui est pas mal dans la merde. Défense de base, indéviolé, simplement. Qu'est-ce qu'il a ? Il a quand même une potion de guérison, le cas échéant, s'il prenait trop cher. Défense, donc, c'est parti. Il ne se défend pas. Très clairement, il ne se défend pas. Donc, deuxième jet de dés grâce à sa cape. Et c'est un double échec critique à nouveau. Donc, là, pour le coup, il prend 3 points de corps dans les gencives. Il prend très très cher. Et là, il meurt. Le voleur est mort. Voilà. c'est radical. C'est radical, hein, comme quoi fallait pas l'envoyer lui. Hein. Donc le voleur, il tombe au sol. Hein, le roi du sépulcre, il rigole pas du tout, quoi. Il veut pas rigoler. Bien. Eh bien, vous allez me dire, c'est quand même du costaud, quoi. Bon, ben, on va pénétrer avec le guerrier, alors, hein, dans ce cas-là. Allez, au suivant. C'est un 2. C'est un 2 pour le guerrier. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 qui va se placer ici parce que le voleur lui est au sol, donc de toute façon il va pas faire grand chose. Hein. Ok, le guerrier, alors on a. c'est formidable quoi. Un des noirs, un des blancs, un des oranges. Voilà. Pour le guerrier qui tente son attaque face au roi du sépulcre. On va éviter qu'il invoque de suite sa marionnette. Ok, ce n'est que un crâne hein, pour le guerrier. Et le roi, donc, avec 3 dés violets qui devrait se défendre sans aucun problème. Hein, voilà. Il se défend, donc il n'y a aucun souci. On va tirer le dé juste du nain. Hop, qui fait 5. Le nain qui fait 5. Et on va pénétrer. Il va pénétrer à son tour. 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui va se mettre juste derrière le roi. On va l'encercler hein, directement parce que ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler. Un dé noir, 2 dés blancs. Pour le nain. Qui va tenter à son tour d'attaquer. C'est parti. Avec un 3 et 2 crânes. Deux crânes pour le nain, simplement. Alors, défense du roi. Eh bien, qui ne se défend pas. Vous voyez par vous-même le roi qui ne se défend pas. Et qui tombe donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 points de corps. Hein. Il tombe à 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de corps. Hein, il tombe. Ok. Donc, le nain qui parvient tout de même à faire... quelques blessures au roi du sépulcre. Le magicien, quant à lui, le magicien, avec un 6, le magicien, il va se déplacer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et qui va venir utiliser le sortilège de Jean pour relever le voleur, quoi. Pour le ressusciter. Allez, c'est parti. Le voleur donc se réveille avec un point d'esprit et deux points de corps. Deux points de corps et un point d'esprit. Ok. Donc le voleur est relevé. On va tenter de récupérer ce sortilège de suite. Et on n'y parvient pas. Nous n'y parvenons pas. Ok. Bon, ça n'a pas grande importance. Et c'est au tour du roi du sépulcre de s'activer. Donc. Le roi du sépulcre jette un des blancs pour tenter d'invoquer un esprit gardien. C'est parti, donc il tente. Hey, c'est un bouclier. Donc il parvient à invoquer un esprit gardien. Ok,
L'esprit gardien donc est invoqué, je vais le placer immédiatement. C'est un 7, donc il apparaît ici. Il apparaît ici, l'esprit gardien, voilà. on est bien. Il faut pas croire, Donc l'esprit gardien s'active immédiatement. Il a 5 de déplacement et veut sur un bouclier. Il veut le nain. Alors est-ce que c'est possible 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, s'il n'y a pas le couvercle en fin de compte, parce qu'il peut passer à travers. Il peut passer à travers. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut aller voir le nain. Donc il glisse et il va voir le nain directement. Et va tenter de le blesser avec ses deux dés blancs. C'est parti. Et fort heureusement, il n'attaque pas ou il ne parvient pas à blesser le nain. Ok, donc maintenant c'est au tour du roi du sépulcre, hein, bien sûr, hein, d'attaquer. Il fait très mal, hein, on l'a vu. La première attaque qu'il a eue, gratuite, eh bien, on a vu que ça a été tendu. Donc lui, pareil, il va attaquer avec l'ordre de ciblage E. Il veut le nain également. Donc il se retourne. Et il va frapper le nain. C'est parti. Avec trois crânes. Trois crânes. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc un dé violet et un dé blanc. C'est pas la grosse forme pour le nain. Qui aurait pu utiliser d'ailleurs des potions pour lui. Donc lui, il a en plus il a la potion de résistance, il a la potion de force. Ok, je viens de placer toutes les cartes potions sur les feuilles de marque des héros. Comme ça, je les ai sous les yeux. Et pour une action gratuite, le nain va boire la potion de résistance ici. Donc il lance 2 dés violets supplémentaires pour se défendre. C'est parti. Et il fait 2 boucliers avec cette potion de résistance, ce qui est pas mal du tout. Donc il ne perd que 1 point de vie. Il tombe à 5. Ok. Très bien, donc tout le monde a joué pour les monstres, le nain. Le nain va reboire une potion. Il va boire la potion de force ici pour avoir 2 dés noirs supplémentaires sur son attaque. Allez, c'est parti. Donc là, il va avoir 2 dés noirs supplémentaires pour attaquer le nain. Donc ça fait la bagatelle de 3 dés noirs et 2 dés blancs. Il va falloir frapper vite et fort. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? 3, 4 crânes. 4 crânes, c'est pas mal. La potion a fait quand même son effet avec un 5, mais ça, on s'en fout. 4 crânes, est-ce que le roi se défend ? Ok, la grosse défense du roi du sépulcre qui s'est défendu malgré la potion de force qu'a bu Cusec le nain. Ça n'a servi à rien. Le roi est surpuissant. Il a déjà tué une fois le voleur. Il s'est défendu contre une attaque phénoménale du nain. Ça va être difficile. J'en ai profité pour murer la salle, puisque nos quatre héros ont pénétré et que la porte a disparu mystérieusement. C'est au tour du guerrier d'essayer de blesser le roi. Et ce sera au tour du voleur et du magicien. Puis on continuera ainsi de suite, en espérant qu'on parvienne à le mettre à terre le plus vite possible, parce qu'il est vraiment, il est chaud du slip, le monsieur. Il est chaud du slip. Bon, l'attaque de d'Erégor, c'est parti. Et c'est un échec critique, Erégor. Hein. C'est un échec critique avec, vous voyez, un 1 qui vient d'apparaître, donc le crâne est annulé. Et aïe, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. L'attaque du roi, l'attaque gratuite du roi avec 3 crânes. 3 crânes contre Erégor. Erégor qui n'a plus son bouclier puisqu'il porte son épée bâtarde. Donc
les dés tombent par terre, c'est fantastique. Donc il n'a que un dé blanc et un dé violet pour tenter de se défendre de cette attaque gratuite. Et les échecs critiques pleuvent. Il fait tout de même un bouclier. Un bouclier, donc il perd 2 points de vie et tombe à 3 points de vie. Ok. Eh bien, c'est pas joli, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas joli. Hein. Donc, on va gentiment activer le voleur qui va boire sa potion de guérison ici. Il en restait une. Et il va donc reprendre full point de corps. Il va remonter donc à 5 points de corps et 2 points d'esprit. Voilà, ça c'est fait. Le voleur. Est-ce que l'on doit s'attendre à un sauvetage du voleur face à une telle machine? Je vous le demande, parce que là, c'est compliqué. Hein. Bon, allez, c'est parti, l'attaque du voleur contre le roi. Ouh là là. Et regardez-moi ça, 2 crânes et une réussite critique. Ce qui fait 4 crânes. C'est là qu'on va avoir le plus de chances de blesser le roi du sépulcre, hein, parce que pour le reste, c'est pas terrible. Allez, défense du roi du sépulcre. On va voir ça de suite, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas, le roi du sépulcre ne se défend pas. C'est clair et net, le roi du sépulcre tombe à 1 point de corps et a pris une attaque critique derrière le dos du voleur, pas piqué des hannetons. Ce qui fait que notre cher roi du sépulcre tombe. Là, je vais vous lire donc l'épilogue et vous allez bien voir s'il tombe ou pas. En tout cas, l'esprit gardien, lui, eh bien, va s'évaporer et retourner dans l'au-delà, puisque le roi se retourne vers nous et va nous parler. Le dernier roi du sépulcre cesse soudainement de vous attaquer et son agressivité envers vous disparaît. Empoignant fermement votre arme, vous êtes surpris par l'attitude du souverain spectral qui change brusquement. Il s'adresse désormais à vous avec une voix grave et sépulcrale. Vous avez vaillamment combattu, guerrier. Votre courage n'a d'égal que votre bravoure. Et vous m'avez offert mon dernier combat. Je n'ai eu que rarement l'occasion de batailler contre des adversaires de votre trempe. Et je vous en remercie. Laissez-moi à présent vous narrer mon histoire, fier guerrier. Cette situation complètement inattendue vous désarçonne quelque peu et vous force à baisser vos armes. Ainsi, le roi poursuit son illustre histoire. Mon nom est Insanka le Grand. Lorsque les géants foulaient cette terre autrefois, j'étais un grand monarque respecté de tous. Et je régnais sur ces vastes terres. Tous étaient unanimes à mon égard, car je respectais et protégeais mon peuple qui vécut un temps glorieux durant mon règne, qui dura 41 longues années. Mon armée dut protéger mon royaume contre de nombreuses menaces, et un jour, elle fut confrontée aux grands dragons qui vinrent du ciel obscurci par leurs sombres desseins. Parvîmes à vaincre la menace la plus colossale jamais vue grâce à une alliance faite avec les rois du sud et de l'ouest. Cependant, cette guerre légendaire sema derrière elle mort et destruction. Malgré la victoire que nous avions arrachée au prix de plusieurs milliers de vies, la reconstruction de nos royaumes était certainement le plus grand défi qui nous attendait, et je n'eusse pas assez de vie pour rebâtir la gloire du passé. Alors que nos forces et ressources étaient au plus bas, un clan d'hommes barbares du nord vinrent pour violer nos femmes et piller ce qui restait de nos maisons, profitant de la faiblesse de nos royaumes qui étaient anéantis par les flammes venues du ciel. À bout de force,
Denbon le Juste, roi des terres du Sud, fut le premier à tomber sous les assauts répétés et brutaux de ces hommes barbares venus du Nord. Puis vint le tour de Nessayam, le puissant roi des terres de l'Est, de trouver la mort. Ainsi mon heure venue enfin, lorsque je fus tué par un puissant guerrier à la force prodigieuse qui me transperça de part en part à l'aide de son épée bâtarde. Oui, mon règne et celui de mes frères d'armes s'acheva ainsi, de manière brutale, alors que nous avions vaincu les terribles dragons venus du ciel. Nos dépouilles furent inhumées en ce lieu reculé pour l'éternité. Mais ce que nous ignorions, c'est que cette tribu d'hommes barbares était menée par un puissant mage nécromancien du nom de Mortis, qui nous avait maudits et nous contraignit à errer sous la forme de morts-vivants jusqu'à la fin des temps. Vous avez rangé vos armes dans leur fourreau et écouté attentivement l'histoire de Tinsanka le Grand. Il vous tend une magnifique armure magique. Un halo de lumière semble s'en dégager. Vous en êtes sûr, cette armure a été forgée en écailles de dragon. Je vous nomme champion des trois royaumes, brave guerrier. Ceci pour votre courage sans faille. Mais j'ai une requête. Nos âmes ne reposeront pas tant que l'ignoble Mortis qui nous a condamnés à errer dans l'éternité des ténèbres ne sera pas vaincu. Prenez cette armure, c'est une très ancienne relique qui a traversé les âges. De nombreuses légendes parlent de son existence. Cette armure vous protégera contre les forces surnaturelles. Maintenant, allez traquer cet infâme personnage. Il se terre au nord d'ici, dans la tour noire des terres craquelées. Son existence maléfique doit cesser et son nom ne doit plus être prononcé en ces terres. Libérez nos âmes, champion. Mais prenez garde, car les pièges qui vous attendent dans ce lieu maléfique sont nombreux. Et Mortis ne cesse de ramasser les âmes des voyageurs afin de devenir une puissante liche. Puissent vos aventures vous apporter gloire et fortune, mes amis. Tinsanka tend sa main vers la sortie et vous adresse une dernière fois la parole. Ne craignez pas de rebrousser chemin pour sortir de ce tombeau. Les plus grands obstacles ne sont souvent qu'illusions. Sur ces derniers mots, Tinsanka regagne sa tombe et se fige froid et sans vie. Vous êtes subjugué par ce qu'il vient de se passer et vous doutez de la légitimité du titre que vous venez de recevoir. Un roi des temps anciens, qui plus est mort. Vous savez qu'il n'existe qu'un empire de vos jours, mais vous ressentez tout de même une grande et non moins puissante sensation de fierté. Aussi, vous ignorez tout de ce nécromancien dont vous a parlé Tinsanka, mais vous êtes bien décidé à venger ces rois immortels d'un temps révolu. Vous savez que votre aventure ne sera enfin terminée que lorsque vous aurez tué Mortis, l'infâme nécromancien qui a maudit ce tombeau. Tenez parole ou vous serez maudit à votre tour. Ok, donc voilà, c'est la fin, c'est l'épilogue. Donc, le dernier roi du sépulcre, Tinsanka, est revenu dans sa tombe et s'est refigé, les amis, c'est terminé. On peut fouiller le coffre numéro 3 et prendre en plus la carte trésor de quête, armure de Borin. Donc, de plus, tous les pièges qui bloquaient les passages dans notre pérégrination ultérieure disparaissent et nous allons pouvoir regagner les escaliers de départ. Tout cela n'était qu'illusion. Et voilà comment se termine cette aventure, les amis. Donc il y aura une suite dans les prochains temps. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai finir d'écrire le prochain scénario de la tour noire. Mais,
Mais voilà, ce sera la suite directe de ce premier scénario. J'espère que ça vous a plu. On va piocher donc l'armure de Borin que vous voyez s'afficher sur votre écran. Et on va fouiller le coffre numéro 3 pour voir tout de même ce qu'il contient. Alors, coffre numéro 3. Ce coffre contient des joyaux d'une valeur de 800 pièces d'or. Voilà la récompense de ce scénario tout à fait sympathique. Alors, je note les 800 pièces d'or. Donc, on a trouvé la bagatelle tout de même de plusieurs milliers de pièces d'or et un artefact magique en... avec l'armure de Borin. Voilà. Donc, tous ces artefacts et tout ceci, je vais le sauvegarder. Et on attaquera, dès que j'aurai fini le prochain scénario, la suite de cette mini-campagne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il faut savoir que, comme je vous disais, il restait des cartes donjons encore. Il en restait tout de même 5 cartes donjons. Donc pour une fois, je n'ai pas fini tout le paquet. Ce qui est sympathique aussi, hein, je dois dire. J'espère que tout cela vous a plu. Je vais procéder à quelques petits changements subtils sur ce scénario qui m'a l'air dans l'ensemble plus ou moins bien huilé. C'est un premier scénario assez simple. C'était pour une mise en bouche. Pour écrire des scénars, quoi. Donc voilà, je vais procéder à ces subtils changements. Je vous ferai passer tous ces scénarios sur mon Facebook. Vous pourrez les prendre pour y jouer, mais vous l'aurez compris, ils ne sont pas directement adaptables sur la V2 de Gravaillon. Donc il faudra peut-être les adapter sur la V2 de Gravaillon. Donc Vous les aurez sur mon Facebook gratuitement, vous pourrez les prendre, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, certainement la semaine prochaine, pour la suite de la campagne de base que j'avais commencé juste avant les quêtes sur Tabletop Simulator. J'avais fait l'épreuve de luxe et j'aimerais continuer avec l'épreuve et compagnie, le chapitre 1, parce que je n'ai jamais fini ce livret. Donc je vais continuer et espérer finir cette campagne, enfin. Je me dois au moins de pouvoir la finir sur la chaîne, parce que avec tout le boulot que je donne pour avoir un résultat tel que celui-là, qui n'est pas exceptionnel, mais moi je suis très content du résultat final, hein, finalement. Personnellement, je suis très content de ce système qui est génial. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit pouce bleu, la petite cloche pour être averti. En général, vous ne loupez jamais de vidéos sur ma chaîne et je vous en remercie. Merci aux nouveaux abonnés également, merci à ceux qui me suivent sur Facebook et on se retrouve très bientôt pour la suite du chapitre 1, le sauvetage de Sir Ragnar. Voilà, à bientôt, des bisous.